Arrestation de Petra Koutinen, les natifs de Fianarantsoa haussent le ton. Les natifs de l'ex-province de Fianarantsoa haussent le ton face à l'arrestation suivie de la mise en détention préventive de Petra Koutinen, un des leaders du mouvement pour la refondation de la nation HFI et non moins leader du parti Tambadja à la veille de l'élection présidentielle. Notre pays a besoin d'apaisement, pas de rouvrir la guerre. On est à une dizaine de jours de l'élection présidentielle et cela nécessite un apaisement afin de permettre à notre pays d'avancer en toute sérénité vers les élections que la population malgache est en droit d'attendre, a rappelé Abel Fitsan, président de la plateforme de transport. Ce dernier n'a pas manqué d'interpeller l'État et les autorités compétentes pour suivre de près cette situation. La résolution de ces problèmes, essentiellement par la voie du dialogue, est une priorité absolue, a-t-il poursuivi. Concernant les chefs d'accusation de Petra Koutinen, notamment celle d'atteinte à la sûreté de l'État, Abel Fitsan condamne la pratique de deux poids deux mesures entre Petra Koutinen et Rendina Liampivoire. Contrairement à Petra Koutinen, ce politicien a bénéficié d'une liberté provisoire après son audition auprès du parquet, alors que les chefs d'accusation sont les mêmes.